la coopérative et Boétique, on est un petit peu en même temps. Les événements Boétique sont sur une rencontre avec, donc avec Anaïs, qui est la instigatrice des rendez-vous. Donc tout bêtement autour d'une conversation dans laquelle on a pas mal de convergences hein, sur une démarche par rapport à la façon de consommer. La démarche du café, c'est de commercialiser des produits qui ne sont pas issus de l'industrie, mais des produits artisanaux, du commerce équitable, de coopérative, avec une forte tendance bio, et que l'esprit des créateurs de Boétique s'inscrivait tout à fait dans cette démarche. Par ailleurs, nous organisons pas mal de débats ou de manifestations culturelles autour de cette façon de consommer autrement, et il est intéressant d'accueillir de jeunes créateurs qui étaient dans cet esprit. Commence d'abord par l'intérêt pour leurs produits. Il faut que déjà en voyant leurs produits on ait une envie, on a envie d'en savoir plus, ils sont beaux, ils sont attrayants. Et ensuite vient bien sûr l'intérêt pour leur démarche. Chaque exposant a son histoire, une histoire différente, plus ou moins écologique, plus ou moins équitable, plus ou moins solidaire. Ils ont tous cette sensibilité-là en tout cas. Pour moi, c'est important de voir le produit en vrai avant de les faire venir sur nos expos pour voir vraiment la qualité des produits et puis discuter toujours ce rapport humain qui est quand même très important, de les rencontrer et discuter face à face, simplement. On sent sur nos expos ce côté naturel et simple. Le choix des matières premières est pour moi très important, ne pas utiliser des matériaux qui soient polluants. Réfléchir aux déchets qu'on produit. Quand on fabrique des objets, on fait forcément des déchets. Donc il faut apprendre à penser à tout ça, pas créer juste en disant je crée un objet pour le vendre, mais je crée un objet pour partager cette sensibilité, mais aussi sensibiliser le public à l'écologie et au fait qu'on peut être écologie et solidaire dans tous les gestes du quotidien. Et ça peut être par réfléchir à comment je m'habille, quels sont les objets que j'ai envie de porter, les objets que j'ai envie d'avoir chez moi. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my very... On veut donner envie et faire du bien avec du beau et de l'éthique. L'intérêt de Boétique, c'est aussi le fait que les créateurs soient présents, soient là pour parler leurs produits et qu'on n'est pas uniquement dans de la vente, mais on est aussi dans l'échange et dans la discussion. Le fait qu'on soit dans un café, ça apporte vraiment une convivialité, on a facilement envie de discuter. Et c'est ce qui, moi, me porte aussi sur ce projet, c'est d'avoir des rencontres, non seulement avec des créateurs, mais aussi avec nos visiteurs, qui sont aussi des gens avec qui on a envie d'échanger, de discuter, d'aller un peu plus loin que dans une simple vente. Boétique nous a permis de nous regrouper avec d'autres exposants autour de plusieurs valeurs communes, l'écologie, le commerce équitable ou les produits bio. Discuter ensemble, je trouvais sympa, super motivé à faire ces expositions. Donc l'intérêt pour moi, c'est d'exposer. Et puis d'exposer dans des bonnes conditions, avec des gens motivés, avec qui il se passe des choses, et voilà, qu'il y ait des échanges. Et... On essaye de faire un petit événement en plus. Par exemple, le samedi, on a une cuisinière qui vient souvent nous faire un repas bio exceptionnellement ce jour-là, le jour de l'expo. Elle investit la cuisine de la coopérative et elle fait un menu. On a aussi des massages offerts par l'équipe de Tao Attitude. Voilà, le samedi après-midi, souvent, la coopérative participe activement en offrant un verre le vendredi. Ça rajoute au programme. C'est vraiment plus qu'une expo, c'est aussi des événements autour. On a déjà fait aussi des ateliers de loisirs créatifs autour de la récup. Pour chaque expo, il y a toujours un événement nouveau.